Oui, il nous amène où là, le fantôme là? Oh, il y a un truc en haut. Et il n'y a plus de balai pour y monter, d'accord, très bien. Bon, tant pis. Fallait que je le voie que maintenant. Bon, on va accélérer un peu les choses. Tu ne pourras utiliser les chaudrons dorés avant d'avoir appris à concocter le polynectar. Ce serait temps que j'apprenne. Donc les carottes, on les a toutes récupérées. Les cerises, je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah, je peux casser les citrouilles! C'est parti! Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Casse les citrouilles! Oh, un petit nuage! Où est-ce que je l'ai amené? À l'autre bout du monde, d'accord, très bien. Oula, j'ai tapé sur quelqu'un là. Bon, ça va. Il s'en est remis. On va tout casser pour récupérer les sous. Allez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai fait une énorme citrouille! Elle a explosé en plein de petits bouts. C'était beau! C'était super beau ça. Bon, alors du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, bah cette fois on va voir Hagrid, il était temps. Depuis le temps que j'ai envie. Ça fait deux épisodes que j'en parle. Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est que ça? Ah, comment s'appelle son chien déjà? Oh, il soigne une licorne. C'est pour toi ça, Legba. J'ai bien fait de te licorne. Oui. Comment s'appelle son chien? Malfoy a vu. Malfoy a tout vu. Mais son chien, il est tout petit. Il est pas censé être énorme, son chien. Il est censé être un molosse, ouais, son chien. Ah ouais. Après, tout paraît tout petit à côté d'Adrien. On va dans la forêt interdite. Avec Malfoy. Ça me perturbe de plus savoir comment il s'appelle son chien. Oh, je voulais pas aller dans la forêt interdite en fait. Je crois que c'est Croque Dur son chien, non? Croque Dur, oui, c'est ça. C'est pas... Non, Croque Mou. Croque Mou peut-être, oui, je sais pas. Croque Mou, Croque Mou. Croque Mou ou Croque Dur? Croque. Tu mets un doute. Voldemort! J'ai fait une fusée de détresse. Fusée de détresse! Oui. Parce qu'il a attaqué. Harry est en danger! Oh, je suis. Oh, je suis croque. Attends. Ah, oh, on a attaqué partout! Je vais mourir! Oh, je suis morte. Hermione a été découpée en morceaux. Sérieusement? Oui. Mais c'est bon, je. C'est quoi ce jeu trop hardcore là? Harry Potter Lego! T'es sûr que c'est un jeu Lego là? Oui, oui, je te assure. Bon, je vais faire Lumos parce que là, ça devient violent. Allez, donnez-moi la vie. Toi, je te chasse. Non, mais ne me blesse pas. Prends-moi un cœur. Je peux contrôler croque dur, croque mou. Le chien. Le chien. Ah, mais attends. Si je suis le chien, je peux les gratter le sol. Oh oui! Oh oui, je peux! C'est avec lui que je peux! Baisse! Voilà, croque dur! Ah non, le chien était démembré! C'est bon, il est revenu! Oui, il s'est fait démembrer! C'est horrible! Je veux pas qu'on démembre les chiens! Attends, mon dieu! Ah, j'ai sauvé un étudiant en danger! Oui! Oh oui, maintenant faut que je sauve mon copain Harry. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? C'est violent ce passage. Oh, ça me donne des sous. Oh là là, ça fait monter une échelle. Ok, nickel, donc la suite c'était par là. Alors on va voir ce qu'il y a ailleurs. C'est pour le démembrer l'arbre. Ok. Oh 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 oh. Lumos. Lumos c'est avec Lumos, c'est ça. Lumos c'est avec Lumos, oui. Il faut que je vise, je crois, pour. Oui, c'est ça. Ça y est, je m'en rappelle. Nickel. Je fais des progrès, hein. Oui, Lumos c'est avec Lumos. Ah oui.
Lumos, c'est avec Lumos, je pense que cette citation est gravée dans les annales. Lumos, c'est avec Lumos. C'est mieux, hein. C'est mieux avec. C'est mieux. Quand tu fais Lumos avec Avada Kedavra, le résultat est comment dire imprévisible. Il fait mal, le résultat. Allez, va creuser, Croque-Dieu. Ah, creuse. Ceux qui n'ont pas lu le livre doivent se dire, mais de quoi il parle? Ou pas vu les films? Ah oui, c'est vrai, Avada Kedavra, c'est le sortilège qui tue. Le sortilège de la mort, le. Sortilège fatal. Voilà. Meurs, sale bête! Explose! Ok, alors on est parti par là. Oh non, je ne peux pas. Ça doit être par en haut. Bon, on va reprendre Lumos et on va monter par là. Parce que Harry est en danger quand même. Hein, donc, j'arrive pas à rester là-haut, comment je fais? Grimpe, Hermione, grimpe. Ah, ah d'accord, non, je ne peux pas en fait. On va passer par la gauche alors du coup. On va reprendre Lumos. Comment je fais monter Croque-Dur? Je fais escalader l'échelle ou... Au risque de paraître ridicule, je vais quand même essayer de faire escalader l'échelle à Croque-Dur. Il peut! Il peut! Ce n'était pas ridicule! Are you serious? Croque-Dur monte à l'échelle! Croque-Dur, c'est le meilleur chien du monde! Ah, tellement! Ah, c'est des petits gnomes qui se sont échappés! Ah, et qui ont créé une échelle! Ah, cool, c'est ce qu'il fallait! Fallait bien que je pense à faire monter Croque-Dur en fait, fallait avoir. Ah, bah, je vais contrôler Croque-Dur, c'est dommage que j'ai pas de pouvoir avec lui! C'est pas super chien non plus! Ah, oh, ça aurait été tellement génial! Il rebondit, super chien! Super chien! On dirait qu'une cape et du super-héros, ta-la-la-la-la-la. Eh, mais ça lui va tellement bien en plus, le costume de super-héros. Mais là, c'est plus trop Harry Potter dans la... Je l'imagine là, ici. Là, là, on passe à quelque chose un petit peu plus à la Marvel. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Que s'est-il passé? Arrête de blesser mon chien! Cesse de blesser mon chien. Enfin, c'est le chien de la Gritte. Oui, mais maintenant c'est le mien, je l'ai adopté. Et Hagrid va être tellement malheureux. Je le lui laisserai en compagnie des trois. Mais quand même être tellement malheureux. Tout le temps. Oh, tu me fais culpabiliser. C'est parce qu'il a voulu voler les chiens des autres. Oh. D'accord, d'accord. Bah, je vais adopter un chien comme lui. C'est quoi comme race ce chien? Je sais pas du tout. Mais je le trouve très mignon. C'est un chien race Lego. C'est une espèce de molasse dans le livre, je sais pas ce qu'il y a quoi. C'est la race Lego. Ok. Un chien Lego, ok. Oui. Avec quoi on le nourrit? Avec des Lego. Ça va revenir cher. Ouais, c'est pas... Avec beaucoup d'amour. Aussi. Oui. Enfin, exclusivement, comme ça reviendra moins cher. Ah ouais, mais là il va mourir très vite. Mais non, il n'a pas besoin, c'est un chien Lego, t'inquiète pas. Il ne vit que d'amour et d'attention. Alors, il suffira de venir jouer avec lui de temps en temps. Ah, il y a des papates là. Je dois pouvoir creuser si je détruis tout ça, non, n'est-ce pas? Ah, donc il doit, je dois devoir prendre ça pour les soulever, non? Ah bah non. Lâche Hermione, lâche Hermione! Ça guette. De méchant. Oui, oui. C'est un méchant. Ce qui vole de mort. Non, c'est une guêpe volante qui me fait du mal. Tu sais qu'il y a un méchant dans Warcraft qui dans la VO s'appelle Voldemort. C'est vrai? Ouais, oui, c'est enfin, ils l'ont appelé Eldemort en français, parce que le ministère juridique était pas d'accord. Mais c'est le dragon de la Terre qui a été corrompu. Ah, c'est sympa. Ouais. Mais en fait. Tous les noms des autres dragons dans Warcraft, des dragons majeurs, ont vol de quelque chose. Ah, c'est pour ça, du coup. Ouais, voilà. Du coup, eux, logique, ils ont voulu l'appeler Voldemort en français, mais ça avait été dit qu'il avait. Non, c'est déjà pris. Du coup, ils ouais, l'ont non, appelé Eldemort. Ça aurait été une très mauvaise idée, là. Ouais, du coup, ils l'ont appelé Eldemort et tout le monde était content. Ils auraient eu très très mal. Ouais. Hop, hop, hop. On descend dans la grotte. Et du coup, à l'attaque! Sale bête!
Meurs! Meurs, meurs, meurs! Il me faut. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais Hermione, mais je voulais changer de. Je sors en fait. Donc c'est Y, c'est ça. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Boum. Ah là, il me refaut Lumos. Et c'est horrible. Il faut gérer tous les sorts en même temps. C'est trop dur. Psychonaut 10. C'est ça. Tu sais que tout à l'heure, en plus, je l'ai dit, j'avais l'impression de jouer à Psychonaut. Je me croyais dans le Psychonaut. D'accord, Psychonaut 2. Que tu puisses bien galérer encore une fois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Psychonaut 2, s'il vous plaît, je veux revoir Azulis galérer. Sur un niveau. Dégueulasse. C'est horrible, c'est horrible. Ils l'auront vu que cette vidéo sortira. Non. Ah, parce que je ne donnerai pas de détails. Non, donne pas de détails, c'est. Bah, tu sais, comme c'est le dernier niveau, c'est vers. Ah bah non, attends, et j'en suis au niveau, j'ai uploadé le 13ème et il sort début octobre. Donc janvier, février, je pense. Ok, je précise que là on est fin mai. Hein. Oui. Non mais ils savent que je prévois à l'avance, que j'aurai pas le choix. En plus là je pourrais vraiment pas, donc j'ai vraiment pas le choix. Donc comment je détruis ce truc là? Donc oui, je dirais plus vers janvier-février, la fin de Psychonaut. Et celui-là, il devrait début septembre, je dirais qu'il sort celui-là. Ok. On doit être en septembre là, alors que je vous parle. Ah bah fallait juste que je tape dessus en fait, c'était tout ce qu'il y a de plus logique. Donc du coup, avant de rentrer là-dedans, je vous propose que nous nous arrêtions là pour cet épisode et que nous reprenions la suite la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.